Mesdames et messieurs les présidents des formations politiques ou alliances de partis, honorables députés à l'Assemblée nationale, respectables têtes couronnées, vénérables dignitaires et notables ici présents, chers honorables maires, conseillers municipaux, conseillers locaux, chefs de quartier, mesdames et messieurs les membres de la direction exécutive nationale, mesdames et messieurs les membres du bureau politique du Parti Nouveau Démocratique, mesdames et messieurs les responsables des structures verticales et horizontales du PRD, camarades militants et militants impartidables du TRD, chers amis de la presse, distingués invités en vos grades et qualités, camarades progressistes, permettez-moi, avant tout propos, de souhaiter, au nom du comité d'organisation de ce congrès extraordinaire, la bienvenue à toutes et à tous. Je salue tout particulièrement nos militants venus de l'intérieur du pays et de la diaspora, animés par cette même foi à notre famille politique. En répondant physiquement à notre invitation, croyez-moi, vous apportez votre pierre à la promotion des valeurs qui nous unissent et qui nous uniront toujours. Je tiens à remercier tous les militants, sympathisants et amis politiques du PRD d'être venus très nombreux pour nous donner leur caution. Soyez les bienvenus dans notre capitale, dans votre capitale, Porto-Novo, ville de tradition hospitalière et multiséculaire. Il me plaît de marquer un arrêt en vue d'adresser notre infinie reconnaissance à tous ceux qui ont, de près comme de loin, œuvré pour la tenue effective de ce congrès extraordinaire. Je n'oublie pas les efforts des membres du comité d'organisation et autres bénévoles. Je mesure pleinement la tâche qui t'arrête, qui a fallu pour que nous soyons nous retrouvons aussi nombreux et enthousiastes. Chers camarades progressistes, comme vous le savez, ce congrès extraordinaire est d'une importance capitale pour notre parti et pour tout le pays. Il se tient en effet à la veille d'une élection présidentielle. Ainsi, depuis l'annonce du choix porté sur notre compatriote, notre frère, notre enfant, notre ami, M. Nicolas Bissou, certains bénévoles avaient prévu le décret de notre formation politique et la démission de nos militants. Erreur. Aujourd'hui, par cette mobilisation exceptionnelle, vous venez d'apporter un serment démenti à tous ces mandats de Dieu. 0 plus 0 égale 0. Mesdames et messieurs, la forte mobilisation de ce samedi 30 janvier 2016 nous appelle pourtant une triste réalité. Porto-Novo, notre capitale, souffre d'un manque criant d'infrastructures, faute de places disponibles. À l'intérieur de ce stade,
Δεν το κάνω. Non, de l'autre côté, on dit renoncer à leur rêve de participer à cet événement majeur de la vie de leur parti. Ils sont nombreux, ils sont restés dans le quartier, ils sont derrière le stade. C'est le cas de choses, nous interpellent tous et nous imposent à avoir des alliés fidèles et des oreilles attentives auprès des conseillers de gouvernement. La reconstruction de notre enclave. Chère population de Bordeaux, Monsieur Denis Issou, le candidat de l'Alliance républicaine est plus qu'un allié pour Bordeaux. C'est un enfant de Raoul. C'est un citoyen d'honneur de notre ville. Il sait du cœur qui tombe les attributs d'une capitale. De voter la noce PRDSCELB
qu'on ne vit pas un enfant, au soir du 8 juillet 2016. Vive le Bénin et la démocratie, vive l'Alliance républicaine, vive le PRD, je vous remercie.